Bonjour, bienvenue dans le Proximus Basecamp in Bees pour la conférence de vandaag. Straxx, Olivier Demand et nous commençons avec Amadou Onana pour répondre à vos questions. Et on commencera comme d'habitude avec Pix TV. C'est Quentin Volver qui va débuter. Bonjour, Amadou. Bonjour. Euh, première chose, retour chez les Diables. L'absence en, en termes de match n'a pas été très longue, mais j'imagine que ça fait du bien de, de revenir dans le groupe. Oui, ça fait du bien. Euh, je l'ai dit auparavant, pour moi, c'est toujours un, une fierté de, de redorer ce, ce maillot-là. Euh, ça m'a manqué d'être sur le terrain avec, euh, voilà, avec les coéquipiers. Euh, ouais, ça fait plaisir d'être de retour. Les ennuis physiques, c'est définitivement oublié ou bien il y, a, il y a encore des petits... Je suis un joueur de football. Euh, ça arrive, les, les petits bobos par-ci, par-là. Mais, mais je suis fit. Euh, ces deux matchs, j'imagine, pour vous, sont importants. Évidemment, avec le, le fait que vous jouez en Angleterre, ce sont deux équipes qui vous conviennent particulièrement euh, Ça vous fait plaisir d'affronter notamment l'Angleterre Oui, ça fait du bien parce que l'Angleterre, c'est une telle, très belle nation. Euh, en plus, avec des, voilà, la majorité des joueurs jouant en, en, en première ligue, le championnat dans lequel j'évolue, ça va être une, une belle bataille contre une belle équipe. Maintenant, euh, voilà, nous, on, on sait ce qu'on a à faire. Donc, euh, donc voilà. Dans ce milieu de terrain, euh, Kevin De Bruyne n'est pas là. On sait qu'il ne restera pas beaucoup de matchs pour préparer l'Euro, évidemment. Est-ce que ça vous pose problème, vous, de, de savoir qu'il n'est pas là et de ne pas euh, parfaire vos automatismes finalement, d'une certaine manière Problème, je pense que non. Euh, Kevin est un joueur de, de grande classe. Euh, je pense que c'est quelques matchs là qui ratent. Ne... Voilà, ne sont pas significatifs par rapport à, à l'euro. Euh, tant qu'il est là, l'euro, moi, ça me ça convient. Euh, ça va être dur de, de pallier son absence, euh, parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est un, un joueur avec des qualités hors normes. Mais, euh, mais voilà, il y a d'autres joueurs dans, dans l'effectif qui sont prêts à, à assumer ce, ce rôle offensif-là, donc euh, je ne me fais pas de soucis. Par rapport au championnat et à Everton, depuis début 2024, les résultats, ce n'est pas, pas extraordinaire. À quel point, pour un joueur, que ce soit vous pour les autres joueurs, c'est important d'arriver dans un contexte un peu plus positif comme l'équipe nationale ici pour euh, se, se changer un petit peu l'esprit les, finalement Ça fait du bien. Euh, après, à Everton, ça va, ça va mieux que, que la saison passée déjà. Je pense qu'on vit une saison moins, moins difficile. Maintenant, Voilà, comme je l'ai dit. Venir en équipe nationale, c'est toujours une, une petite bouffée, bouffée d'air frais. Euh, voilà, ça, ça donne le temps de, de se ressourcer, d'être à la maison, de voir la famille et, et voilà, ça fait toujours du bien. Merci. Merci à vous. Merci Quentin. Prochain, Eleven Sports, Bonjour, dans Madou. zone. Bonjour. Quentin en parlait, tu es devenu indéboulonnable dans ce, dans ce milieu de terrain. On aime bien les, les comparaisons entre générations. On pourrait te comparer un petit peu un, un mélange entre. Witzel et Fellaini. Où est-ce que tu te situerais toi dans cette comparaison euh, Pour moi ce sont deux très grands, grands joueurs. Euh, voilà, euh, Axel que, que j'ai eu l'opportunité de, de côtoyer ici, qui a été comme un, comme un mentor, comme un grand frère pour moi à mon arrivée. Où est-ce que je me situe Je me situe à amadou parce que je pense que je suis un, un joueur différent des deux, euh, avec différentes qualités, différents défauts aussi. Donc, euh, donc voilà, je ne pense pas que que je pourrais me, me comparer à ces joueurs-là. Tu, tu l'as dit, tu as, as joué avec Axel. Est-ce qu'il y a des conseils qu'il t'a donné, que tu essayes justement de, de mettre en place en équipe nationale Oui, surtout, euh, voilà, lui, c'est quelqu'un qui a, a l'expérience, qui a joué énormément de, de matchs au haut niveau. Quand je suis arrivé, j'étais assez fougueux. Euh, donc par rapport à ça, il m'a vraiment donné plein de conseils, euh, voilà, de, de, de choses à mettre en place sur le terrain. Et je pense que ça, ça a bien fonctionné. Donc merci à lui. Le roi arrive bientôt en, en Allemagne. Tu as été un, un, des, un des premiers joueurs, en tout cas un joueur qui, qui est passé très tôt par l'Allemagne. Il y a beaucoup de joueurs maintenant qui, qui vont en Bundesliga, qui vont en Allemagne. Comment est-ce que tu expliques ça, cet exode des jeunes Belges en Allemagne Je pense que le pays parle plus pour lui-même. Je pense que c'est un pays qui, qui forme énormément de, de, de jeunes talents et qui les, voilà, qui les amène aussi à... À maturité, euh, donc à chaque fois que moi, par exemple, un jeune joueur me demande euh, est-ce qu'il partirait pas en Allemagne, pour moi, je suis tout oui, euh, parce que de par mon expérience, de par les années que j'ai passées là-bas, euh, c'était des, des années enrichissantes, donc euh, je le conseillerais à, à tout jeune joueur euh, en, en voie de développement. Il y a un stade en particulier dans lequel tu as, tu as hâte de, de jouer Volksparkstadion, pour moi ce serait, euh, ce serait un... Voilà, une, une petite, euh, un petit accomplissement euh, de revenir là où, là où j'ai commencé. Ce serait pas mal de, voilà, de, de jouer dans ce stade-là. Merci à Manu. Merci à vous. Je passer le micro derrière vous. Bonjour, Madou. Bonjour. Euh, ces derniers mois, euh, tu as parfois hérité du brassard de capitaine en cours de match ou en fin de match avec les Diables Rouges. On sait que Kevin n'est pas là pour ce rassemblement. Lukaku sera forfait pour le match de, de ce samedi. Est-ce que tu pourrais potentiellement être capitaine ce samedi ou est-ce que tu en as déjà peut-être parlé avec le sélectionneur Ça, il faut le demander au sélectionneur. Je n'ai pas eu de, de discussion euh, privée avec lui. Après, euh, voilà, je pense que je dois quand même euh, donner le, 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 le mérite aux aînés. Yann euh, est là, euh, capitaine à Andorlect aussi, euh, un leader d'hommes qui est là depuis longtemps. Euh, donc, moi, brassard ou pas, euh, je serai le même homme, le même caractère, le même joueur. Donc, euh, ça ne joue pas un, un rôle important pour moi. On sait qu'avec Everton, bah, tu, tu affrontes aussi les, des grandes équipes euh, au niveau anglais, tu affrontes aussi des grands joueurs au niveau offensif. Euh, Foden, Rashford, euh, Grelicha, Kane maintenant qui est parti en, en Allemagne. Euh, comment tu situes le niveau de la puissance offensive belge par rapport à la puissance offensive anglaise Pour moi, il n'y a pas de quoi se, se cacher. Euh, on a de, de très bons joueurs offensifs aussi. Euh, devant avec Loïs, avec Jérémy, Baka, Luke Baki, Odogi. Euh, pour moi, c'est. Voilà des, des joueurs qui peuvent apporter offensivement autant que, autant que les Anglais. Euh, maintenant, on connaît la, la qualité de, de ces joueurs-là. Foden, on le voit à City euh, de manière hebdomadaire toutes les semaines. Euh, Rashford, même chose. Donc on sait qu'ils ont de la, la qualité offensive. Maintenant, à nous de bien nous préparer pour, euh, pour faire face à, à, ces, à ces offensives. Merci. Euh, Fred Blues. le micro, s'il vous plaît. Yaka, le microphone, Fred Madou, bonjour. bonjour. Euh, pour revenir sur l'absence de Kevin De Bruyne, pas pour parler comment le, le remplacer parce que tu l'as évoqué, mais en revanche, il n'a joué que deux matchs depuis, euh, depuis un an. En termes de repères collectifs, parce qu'il va revenir, et quand il reviendra dans l'équipe, il sera, il sera titulaire, est-ce que c'est n'est quand même pas un sujet de discussion entre vous, savoir comment euh, gérer avec Kevin Il a évidemment des qualités, euh, c'est clair, mais il faut aussi un contexte collectif autour. Il y a peu de repères communs euh, entre vous, dans le milieu peu de repères communs, oui et non. Euh, je pense que Kevin, pour moi, est un joueur hors C'est Ce n'est pas quelqu'un à qui on doit apprendre à, à jouer au foot ou apprendre à, à s'adapter dans une, dans une équipe. Il a sa magie et son expérience qui fait juste que peu importe le nombre de matchs qu'il a joué avec nous, il saura s'adapter. Euh, C'est mon humble avis, mon humble opinion et, et je reste sur ça. Euh, tu as été très souvent associé à Aurel Mangala, euh, 4 fois sur 5, je crois, avec euh, Domenico Tedesco. Oui. Est-ce que tu peux un peu évoquer cette, euh, cette association Est-ce que c'est finalement le meilleur binôme que vous pouvez euh, composer Meilleur binôme, je ne sais pas, mais c'est un binôme qui a, qui a très bien fonctionné jusqu'ici. Euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai des automatismes sur le terrain, euh, un joueur euh, doté d'énormes qualités euh, techniques et physiques. C'est quelqu'un avec qui euh, voilà, je, suis, je suis assez complémentaire et euh, voilà, on, on s'entend bien au milieu de terrain. Vous vous entendez bien aussi, je pense, en dehors du terrain Ça aussi, ça, euh, ça compte oui. sur le terrain oui, clairement. Ça, ça, pour moi, ça, ça crée une certaine, une certaine cohésion. Euh, voilà, on est, on est de très bons amis en, en dehors aussi, comme vous l'avez mentionné. Donc, je pense que ça, ça joue un rôle aussi sur le terrain. On t'avait quitté avec la, la Belgique sur une exclusion en, en Autriche. Est-ce que tu es parfois agacé quand on, on ramène aussi? Euh, on te ramène à ce manque de, de discipline parce que ça avait été le cas. On en avait parlé à la Coupe du Monde au, au Qatar, le match, le match en Autriche. Est-ce que ça peut à un moment t'agacer d'entendre, de lire certains commentaires à ce sujet Je ne lis pas beaucoup, euh, je l'entends euh, récurremment. Maintenant, je suis, un, je suis un joueur de foot, un homme aussi. Il faut être ouvert à, à la critique. Euh, maintenant, je suis quelqu'un de d'assez dur aussi sur moi-même par rapport à, à, à mes performances. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de, de m'améliorer aussi. Mais euh, ça ne change pas la, la, la perception que j'ai de, de ma personne. Tu parlais d'améliorer, ça se traduit de quelle manière Comment améliorer Je pense que, par exemple, en Angleterre, j'ai vu que tu as pris moins de cartes jaunes euh, cette saison que euh, la saison passée. Ces améliorations, ça passe par quoi ça passe par un timing sur les interceptions, ça passe par savoir quand rester debout, quand, quand tacler, quand se coucher. C'est voilà, c'est des petits détails sur lesquels je suis de plus en plus attentif au, au fil des années, et voilà, je suis content de, de l'évolution. On dit souvent qu'un, j'en ai encore deux et puis j'ai fini. Euh, on dit souvent qu'un euro pour un joueur c'est important dans la perspective aussi de sa, de sa carrière. Tu es peut-être à un carrefour de ta carrière en, en club. Euh, comment tu l'envisages Est-ce que l'euro peut être un tournoi pour passer une étape et changer d'environnement de, et de club Je vais à l'euro en tant que joueur de l'équipe nationale belge. Euh, je vais à l'euro pour me donner à 100% pour mes coéquipiers. Je vais à l'euro pour, pour apporter un, un résultat le, le plus positif possible et aller le, le plus loin possible dans la, dans la compétition. Euh, je ne me préoccupe pas, pas réellement du reste. Et la dernière euh... Le contexte à Everton est compliqué, surtout hors terrain, parce qu'on sait qu'il y a un, un rachat qui est, qui est en cours. Est-ce que vous ça, vous, ça vous perturbe de savoir quel est un peu le futur aussi du, du club et qui sera le prochain propriétaire Pas vraiment, euh, parce que de un, c'est pas ma décision. De deux, c'est pas une décision que je peux influencer. Euh, donc, euh, donc voilà, on attendra euh, pour voir si le, si le rachat est, est, est et définitif et voilà on, on agira en conséquence merci euh, micro pour bart euh, dans non la bart juste derrière toi bart Lagarde, de standard bonjour amadou bonjour euh, qu'est ce que vous allez travailler justement euh, en irlande au royaume uni euh, en préparant l'euro puisque comme kevin n'est pas là comme euh, romelo il va sans doute manquer le premier match quel va être le, le point à travailler en, pour les joueurs qui sont bien là. Point à travailler, euh, pour moi je dirais plutôt les points sur lesquels il va falloir s'axer, euh, parce que l'Irlande est une équipe, on le sait, qui, qui joue un football très physique, euh, ils mettent beaucoup d'intensité et de, de passion dans leur jeu. Euh, je pense qu'en qu tant que co collectif, on doit matcher justement cette, cette intensité-là, être au même niveau d'intensité et essayer d'être le plus propre et le, le plus précis techniquement parlant. Et euh, vous pensez que la Belgique est au même niveau qu que l'Angleterre en abordant l'Euro le, Ou euh, vous dites quand même que l'Angleterre, ils ont quand même encore plus de joueurs de qualité et sont plus favoris pour gagner l'Euro Écoutez, moi, je suis quelqu'un de très, très enthousiaste et euh, je suis quelqu'un qui, qui croit en, en cette équipe et en la qualité qui figure dans, dans cet effectif. Euh, je ne regarde pas vraiment. Euh, les autres équipes, je me concentre vraiment sur ce que nous on peut faire, ce que nous on peut influencer pour, pour gagner le maximum de, de matchs possibles et, et ça s'arrête là. Je ne me compare pas vraiment à, à d'autres équipes. Ok, merci. N'autres questions pour Amadou Bart Viermans. dernière Bart. Une question sur le Premier League. Tu as marqué une fois contre Burnley. Je voudrais savoir un peu comment est ton, ton lien avec compagnie. Est-ce que tu regrettes un peu qu'elle doit lutter contre la dégradation <laughs> est-ce que je regrette un peu? oui, parce que c'est un, un, un belge euh, et on, on aime toujours euh, voir un, un compatriote euh, euh, réussir euh, dans, dans peu importe le, le, le challenge qu'il qu a en face de lui. Maintenant, je me dois de, de représenter mon, mon équipe du, du mieux que je peux et de faire du mieux que je peux pour mon, mon équipe tout simplement et, et essayer de, de gagner de, des matchs. Si ça, ça passe par marquer un but, ben, désolé. <laughs> désolé, mais pas désolé du coup. Mais, euh, mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour aider, euh, aider mon équipe. Oui. Et dans le mercato, il y a beaucoup d'intérêt pour toi. Comment tu as approché ça un peu et peut-être les séparer aussi avec Arsenal est-ce que tu es encore heureux chez Everton Je suis très heureux de, de jouer au football. De, je suis très heureux d'être dans un championnat comme, comme la Première Ligue. Euh, je pense que c'est le rêve d'énormément de, de, de joueurs, tout simplement. Euh, donc, donc voilà, c'est un plaisir pour moi et un privilège d'être là où je suis aujourd'hui. Okay. Merci beaucoup. Plus de questions Merci. Merci beaucoup, Amadou. Merci à vous. Bonne On journée. On passe par euh, Olivier Demande. passer par la télé avec... Euh... Collega. Welkom Olivier de Man voor zijn, als ik het goed heb, eerste persconferentie bij de Rode Duivels. Welkom Olivier. Vragen krijg je meteen van Quentin Volver van Pix Proximus. Hallo Olivier. Um, ja, je bent in de selectie elke keer sinds juni, denk ik. Uh, is dat nog een, uh, een verrassing voor jou of is dat normaal geworden? Nee, natuurlijk. Uh, uh, verrassing is een groot woord. Maar uh, aan de andere kant ben ik elke keer trots en uh, blij de afwachting van de selectie en de hoop erbij te zijn. Uh, dus uh, op dat vlak is het wel altijd leuk. Nu die, dat je speelt in, uh, in Duitsland, verwacht je uh, een beetje meer uh, speeltijd bij de rode duivel of niet? Oh, ik denk dat het de, een vraag voor de coaches en minder voor mij. Uh, ik probeer het gewoon elke keer zo goed mogelijk te doen uh, op training en de minuten die ik krijg. Uh, in de hoop natuurlijk dan meer minuten te krijgen. Uh, maar aan de andere kant uh, hebben we in de kwalificatie heel goed gedaan, uh, Arthur ook op mijn plaats. Dus uh, dat weet je dat je moet afwachten uh, op jouw kans. En hoe is dat in, in Duitsland? Ben je tevreden met je, met je seizoen uh, tot nu toe? Goh, ik denk als team doen we het niet slecht. We staan op een mooie positie. Um, ook al konden we misschien al iets hoger staan. Uh, maar we zijn niet slecht gezien de doelstellingen zijn we niet slecht begonnen en staan wel op een mooie plaats. Um, en voor mij persoonlijk is het ook. Uh, een goed leerjaar. Uh, ik heb veel bijgeleerd uh, goed begonnen en uh, um, ja, we kunnen positief doorwerken op die manier. Dus uh, voor mij is het wel goed. Verwachtte je om zoveel te, spe te spelen in Duitsland? Ja, ik denk altijd als je er naartoe gaat. dan we Spreken je met de mensen en uh, het was een duidelijk plan. en De bedoeling was wel om te spelen. Uh, maar op het einde van de rit uh, is dat jou om te bewijzen dat je verdient om te spelen. En, uh, en dat was wel de bedoeling. En een laatste vraag over Cerkel: uh, zij zijn in de Champions play-off. Ben je tevreden of trots ervan? Natuurlijk. Uh, ben ik ben heel blij voor hen. Ik denk dat ze er hard hebben voor gewerkt. Ik denk dat het nog spannend was op het einde. Uh, maar ik ben heel blij dat ze erbij zijn. Ik uh, gun ze het beste en uh, wie weet. Bedankt. Merci, Quentin. Volgende vraag uh, voor Olivier de Man: hier vooraan. Ludo van de Wallen van het nieuwsblad Sportwereld. Ja, Olivier, nog even doorgaan uh, op cirkelen. Uh, hoe heb jij dat beleefd? Heb jij dat dan gevolgd op een of andere manier? Goed, uh, goedenavond. Uh, ik heb het wel gevolgd, uh, maar ik moest zelf reizen naar hier terug. Dus ik uh, was uh, meer op de telefoon volgen dan uh, de wedstrijd effectief kunnen volgen. Maar ik heb wel uh, de standen gevolgd ondertussen. En uh, ik was heel blij toen ik zag dat ik geland was. als ze gekwalificeerd waren. Dus uh, top. Want je hebt nog contacten met die ex-proegmaats die da daar spelen en zo. Heb je die dan gebeld of heb je die een bericht gestuurd? Of zo? Ja, het zijn alleen de jongens waarmee ik in contact heb. Heb ik wel nog gefeliciteerd. Ik uh, ben echt blij voor hen. Uh, denk, ik weet hoe hard dat is dat ze er moeten voor werken. En uh, dat veel fysiek vergt van hen. Uh, maar ik ben heel blij dat ze het gehaald hebben. En uh, ik denk ook wel dat ze gewoon verdienen van erbij te zijn. Maar je bent niet meer naar Brugge gegaan om mee te gaan vieren? Of nee, zo. <laughs> dat heb ik niet gedaan, want uh, dat had Dienaar de wier verwacht. Uh, dus nee, dat heb ik niet gedaan. Een beetje spijt? Nee, geen spijt. <laughs> nu, dan een ander ploegmaat van jou doet het ook uitstekend. Charles van Aute. Hoe, hoe beleef je dat? Uh, ik ben echt uh, heel blij voor hem. Uh, ik denk dat hij een mooie overstap heeft gemaakt. Ik denk dat misschien veel mensen in het begin aan gedacht dat hij niet ging doen wat hij nu aan het doen is. Uh, maar ja, ik heb lang met Charles gespeeld, uh, van, van in de belofte tot aan de eerste ploeg. En ik weet dat Charles zijn mars heeft. En ik vergeet er eigenlijk niet van dat hij het zo goed doet. En uh, ik vind het mooi om te zien hoe dat Union het doet. En ja, Charles natuurlijk er natuurlijk iets bijzonder aan. Nog een vraagje over jouw positie bij Werder Bremen. Enkele weken geleden speelde je niet meer zoveel eigenlijk, hè? was je invaller eigenlijk. Was daar een reden voor? Was dat een diepje? Of, uh... Uh, goh, ik denk, inderdaad, het is even wissel geweest. We hadden een midweekwedstrijd en de ploeg had heel goed gedaan. En dan heeft de trainer niet gewisseld. Um, en dan hebben ze op Bayern München gewonnen. Dus ja, dan ben ik er ook niet direct tegengekomen, omdat ja, er uh, alleen twee, drie andere jongens ook eruit vallen. En uh, ik denk dat we ook gewoon een goede ploeg hebben, maar dat er allemaal goede spelers zijn, waar redelijk aan elkaar gewaagd zijn. En als hij het marcheert, heeft hij niet direct veranderd. Maar dan ja, een paar weken later speelde hij naar Walter nou weer even niet. En nu van het weekend heb ik wel weer gestart, maar elke week heb ik op zich mijn minuten gehad. En ben ik elke keer ingekomen, al was het een half uur, twintig minuten of tien minuten. Uh, maar ik ja, ben blij om terug in de basis te staan. Je staat daar links op het middenveld eigenlijk? Ja, niet, ja, eigenlijk links, links wingback, uh, heel de linkerkant. Maar in de opbouw sta ik daar iets lager, waar ik gewoon links achter sta. Uh, maar wat dat wel heeft in bal bezit om iets hoger te komen nadien. Oké, okay, dank u. Dank u wel, Udo. Johan Walkies, Voetbalkrant. Micro staat niet aan. Ja. Oh, ja. Hallo. Ja, nu ja. <laughs> wel. Dank. dank, Olivier. Uh, bij CERCLE lag al de nadruk sterk op het uh, fysieke: uh, dat, je, dat je fysiek klaar moest zijn. Als je dat nu vergelijkt met WRDB, is dat nog meer, de, is dat nog een stap hoger? Of, uh, ja, de intensiteit van de competitie in het algemeen ligt veel hoger. Uh, ik denk dat er veel meer wordt doorgespeeld. Er uh, wordt ook iets meer toegelaten door de scheidsrechters, wat ervoor zorgt dat het spel minder stil ligt, dat het uh, spel blijft aangaan en dat je, dat je minder tijd hebt om te recupereren. Uh, ik denk ook aan de andere kant, het niveau ligt technisch hoger in de competitie, waardoor dat ook gewoon veel sneller gaat. Uh, dus op dat vlak is het toch wel een aanpassing geweest, uh, maar ik denk dat het wel een ideale voorbereiding erop was. Als je nu die zes maanden neemt, ben je sterker geworden. Ben je, als je jezelf met zes maanden geleden moet vergelijken, ben je een andere speler geworden? Ik heb het gevoel van wel. Ik denk dat ik veel stappen heb gezet. Ik denk dat ik veel geleerd heb al op die korte periode. ik denk dat dat alleen maar in het voordeel is. Ik heb wel het gevoel dat ik een ander speer ben, verlieken met zes maanden geleden. Op welke vlekken dan vooral? Ik denk. In het Algemeen compleet, ik denk uh, fysisch kracht, maar ook uh, ja, opbouw. Want dat op cirkel iets minder was de opbouw, allee, was meer va vaak snel de lange bal zoeken. En ik denk dat dat nu ook wel de moeilijkheid heeft ja, om we wel opbouwen van achteruit. Dat dat ook dingen zijn waar je dan uh, terug aan moet, aan moet wennen en dat je moet aan aanpassen. En ik denk dat ik daar ook stappen in gezet heb. Dus, uh... Dat was het. Nog vragen voor uh, Olivier Bart Laga, standaard. Ja, dag Olivier. Er uh, wordt wel eens gezegd: van in deze selectie van de Rode Duivels, uh, heel goede aanval. En er worden dan vraagtekens geplaatst bij verdedigers, soms ook bij wingbacks. Jij, jij bent hier natuurlijk vandaag om te zeggen: van nee, uh, die, die spelers op die positie die zijn uh, ook internationaal niveau en we moeten niet blozen op het hoogste niveau. Of, uh, Begrijp je wel ergens waar dat die commentaar vandaan komt? Ik begrijp met de jongens die we voorin hebben staan. dat het verrotelen dan iets vaker misschien op de verdediging wordt gelegd. omdat je van voor echt grote namen hebt. En ook ik denk dat in het verleden de basisverdediging ook allemaal bij absolute topclubs zaten. Dus op dat vlak dat misschien iets veranderd is. Maar ik denk als je een zwakke verdediging hebt. dat niet op die manier de kwalificaties doorkomt. Want ik denk dat voor de land als Oostenrijk. Is, allee, die hebben ook wel goede aanvallers. En die brengen ook redelijk wat intensiteit. En als uw verdediging dan zogezegd niet goed is of niet voldoende is, denk ik niet dat het makkelijk is om van zo'n zo landen te winnen. Dus uh, ja, ik denk dat het ook gewoon vooral komt door de werelden die we vooraan hebben. En dat gaan jullie laten zien ook door in Wembley uh, de boel gesloten te houden. <laughs> dat, dat is de bedoeling. <laughs> Oké, okay, nog vragen voor Olivier de Man? Geen vragen meer? Niemand? Oké, okay, dankjewel Olivier. Bedankt allemaal. Uh, en tot uh, morgen. Morgen zijn we hier met uh, Juri Tielemans en Thomas Meunier. Tot dan. Ademijn.